Coucou mes petits loulous, aujourd'hui je viens pour une vidéo bal. J'ai reçu donc trois courriers, gros courriers. Du coup, on va les ouvrir ensemble parce que voilà. Il n'y en a qu'une que j'ai ouverte, je l'ai reçue hier. Je vais commencer par celle-ci du coup. Alors, c'est Karine B70 sur Instagram. Regardez la superbe enveloppe qu'elle m'a faite, elle est magnifique. Donc, c'est du serviettage. Voilà, et voilà, je veux pas barrer l'adresse parce que du coup je la trouve trop belle l'enveloppe et je veux la garder avec des super timbres petits poissons. Voilà, donc magnifique. Et du coup, parce que derrière il y a l'adresse, je ne vais pas vous montrer. Alors en fait c'était pour un échange d'ATC parce que je trouvais sur Instagram qu'elle avait fait des super belles ATC pour Halloween. Et bon bah voilà, comme vous savez, Halloween et moi, voilà. Donc là, elle m'a fait une petite enveloppe toute petite pour mettre la tessée avec des superbes champignons, des petites feuilles. Voilà, donc Karine, création maison avec son petit tampon. Je vous mettrai de toute façon les liens. Hein. Et regardez cette superbe tessée. Elle est juste trop belle. J'adore ces découpes. Et du coup, d'ailleurs, elle m'en a mis des épis de maïs là. Ils sont magnifiques. Je sais pas d'où ils viennent ces dailles. Voilà, la petite citrouille, donc en mousse. Pailleté, plein de petites citrouilles dans du papier holographique, en pleine nature, une petite compresse derrière qu'elle est venue coloriser. Magnifique, vraiment trop belle. Je l'adore. Donc voilà, c'est celle-là que j'avais vue sur Insta. Et donc, bien évidemment, elle m'en a envoyé d'autres. Parce que bon, genre, c'était pas assez. Et donc, celle-là, je l'adore aussi. Je l'avais vue sur son Insta. Le petit virus Covid. Je l'aime trop, version Halloween, avec le petit 2020. Il est trop top. Et là, elle est venue embosser derrière une petite toile d'araignée. Je sais pas si vous allez voir qu'elle a embossé. Voilà. Donc, je pense qu'elle a dû embosser sur du trans avec des poudres transparentes. Les petites chauves-souris. Bou. Voilà. Magnifique. J'aime beaucoup. Et là, oui, bah, je vous ai pas montré. Du coup, il y a des petites découpes maïs. Je les adore. Vraiment. Bon, il y en a une que j'ai utilisée déjà pour faire mon October Daily. Hop, regardez-moi ça. Elles sont trop mignonnes. J'adore. Voilà. Ensuite, elle m'a fait une petite carte sur l'automne. Trop mignon. Ces petits écureuils aussi sont trop mimi. Les petits champignons, ils sont hyper sympas aussi. Voilà. Donc là, elle est venue découper les bords. Je sais pas si c'est un die. Je pense peut-être que c'est un die. Voilà. Donc toujours Karine Création. Et mon petit mot donc à l'intérieur. Ah oui, elle a mis un petit écureuil. Enfin, un gros écureuil. Voilà. C'est l'automne. J'aime trop vraiment cette période, j'adore, donc j'aime beaucoup beaucoup, c'est super mignon. Et elle m'a fait, alors ça j'adore, mais je crois que je vais les garder, j'ai pas envie de les utiliser. Plein de petits, vous savez, les petits embellissements. Alors je sais pas si c'est, je pense que c'est de la résine, enfin je sais pas quelle pâte elle utilise pour faire ça. Donc elle m'a fait plein de petits embellissements. Pour Halloween. C'est trop mignon. Mais du coup, j'ai pas. Enfin, je me ferais sûrement une créa, mais pour moi, que je garderais, quoi. Il y a le petit. La petite sorcière. Son petit chaudron. Le petit livre. La petite grenouille. Voilà. Le petit chapeau. Le balai. La citrouille. Voilà. Ça. Ça doit être un chaudron aussi. Voilà, donc c'est super mignon. Merci beaucoup Karine. Mais je crois que je les garderai pour une créa pour moi. Parce qu'ils sont trop mignons. Alors, je les remets dedans pour pas les perdre. Donc, elle me les avait mis dans une petite pochette. Comme ça, qu'elle a fait. Voilà. Trop mignon. Et elle m'a mis des découpages. Enfin, elle m'a mis des tamponnages. J'adore, parce que du coup, genre, j'en ai pas assez non plus, hein. Mais j'adore, tu vois, le petit chien comme ça, là, en momie, c'est trop mignon. Le petit chat aussi, comme ça, j'en avais pas, c'est trop mimi. Les citrouilles, elles sont trop top. Happy Halloween, il est joli. Très joli.
Boue aussi, j'en ai pas beaucoup, donc c'est bien. Plein de citrouilles encore avec des chapeaux de sorcière. Ils ont une bonne bouille, j'aime bien. Et alors ça aussi, j'adore, terrible. Les mains là comme ça de momie, j'adore. Les pierres tombales, j'ai pas de tampons comme ça, donc c'est top. Les petites chouettes, les petites chauves-souris et donc la sorcière dans la lune, j'adore. Trop mignon. Merci Karine. Voilà, donc je l'avais déjà ouvert parce que j'étais curieuse. Et là, comme je viens juste de recevoir aujourd'hui les trois autres colis, je fais direct la vidéo. Comme ça, je ne perds pas de temps. Enfin, c'est surtout que je suis trop pressée en fait de les ouvrir. Donc voilà. Donc ça m'arrange de faire la vidéo directement. Voilà, alors celle-ci, j'ai pris la première qui me venait. Ça vient de Damien. Donc Damien, donc sur Instagram au nom de Da Guillaume, il a une chaîne YouTube également. Donc je vous mettrai sa chaîne. Voilà, je l'ai rencontré entre guillemets par rapport à Miss Mioum Mioum qui avait fait un junk journal, un échange avec lui. Et j'ai beaucoup aimé. Du coup, voilà, j'ai commencé à le suivre pendant le confinement. Et du coup, il m'a envoyé une petite lettre et moi, je vais participer parce qu'il fait un concours en ce moment sur Halloween. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour parce que en plus les défis sont super sympas. Donc voilà, donc pour Halloween, vous avez encore largement le temps du coup d'y participer si ça vous intéresse. Alors, on va ouvrir. Je veux pas. Bon, je vais ouvrir comme ça. Comme il y a son adresse, je veux pas que. Ouh là là! Waouh! Ah, je sens que je vais aimer! Ouh là 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 là! C'est trop beau! C'est trop magnifique! Voilà, attendez. Je pense que c'est une petite carte. Oui! Oh, j'adore! C'est trop mignon! Regardez le petit écureuil! Ah, je kiffe! Regardez! Tic, 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 tic! Voilà! T'as été chercher ton gland. Ah, c'est génial! Il a fait un tuto justement sur sa chaîne de cette carte. C'est top! Ah, bah, il y a mon petit mot. Du coup. Qui était caché. Alors, merci Damien. Ah, merci beaucoup. Trop mignon. Ah, mais j'adore. Franchement, c'est une carte hyper interactive. Enfin, c'est génial. Franchement, regardez-moi ça, le petit écureuil. Ouh. Ah, j'adore. C'est trop beau. En plus, les nœuds sont. Le ruban là, il est magnifique. Il est un peu satiné orange. Trop trop beau. Il est trop mignon. Donc les petites pommes de pin, les champignons, les feuilles, le gland, encore, enfin des marrons, Joy. Ça, j'ai utilisé ce papier justement pour faire mes pochettes à T-Stamp. Je l'aime beaucoup ce papier, il est très très joli. Des petites perles, demi-perles. Ah, elle est géniale. Et donc derrière, il se trouve des petites ATC. Sur les petits hérissons. Oh ben j'adore les hérissons. Les hérissons, pardon. J'adore les hérissons. Oh, c'est trop mignon. Un jour spécial. Et il y a trois petits modèles. Ah bah ben alors, il m'a envoyé toute la série. Donc, une sur trois, deux sur trois et trois sur trois. Donc j'ai toute la petite série de hérissons. Ils sont trop mignons. En plus là j'aime beaucoup. Il a fait de la patouille en fond. C'est super joli. C'est un peu nacré. Mais du coup là ça va pas rendre du tout à la vidéo, mais c'est un petit peu nacré. Enfin j'ai l'impression, oui, c'est ça. C'est super mignon. Avec des petites demi-perles.
Oh, merci Damien. En tout cas, j'ai bien avancé sur ton concours, donc je pense ce week-end avoir terminé pour pouvoir t'envoyer ça lundi. Bah écoute, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir, franchement j'adore. J'avais vu ta vidéo sur cette carte, je ne l'ai pas encore refaite, mais j'aime beaucoup beaucoup le principe, c'est top. Pour les enfants et tout, mais c'est génial quoi, c'est... Regardez. Hop. Bon, je vais m'éclater... À le faire avancer tout le temps. En plus, voilà, il explique super bien. Enfin, elle a l'air quand même assez facile à faire. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, bah merci beaucoup Damien. En tout cas, et je t'envoie ça rapidement dès que j'ai terminé. Ensuite, donc là, nous avons un petit courrier d'Émilie. Sur Instagram. Alors, elle m'a dit, elle m'a fait un petit envoi surprise. J'étais hyper touchée. C'est trop mignon. Merci beaucoup. Je te ferai un petit envoi sur Halloween. Ouh là là. Ça a l'air... Oh là là. C'est une pocket letter. Oh wow. Ah, il y en a qui se sont barrés. La petite carte. Oh, la violette. Tu m'as... Parce qu'en fait, j'en ai vu. Enfin, elle a publié des photos avec des petits bonbons. Ah, ben, ils se sont ouverts les bonbons. Les petits Smarties. Oh, merci. J'aime pas du tout les bonbons, non. Hop, je les mangerai plus tard. Des petits bonbons. Haribo et les Smarties. Merci. Donc oui, je disais que j'avais vu sur Instagram donc ces cartes, et elle m'a dit justement, il y en a une pour toi. Donc j'étais trop ravie, enfin contente, surprise en même temps. Et elles sont trop belles, enfin voilà. Ah, le petit mot. Elle me disait qu'elle, enfin, elle scrapait pas beaucoup Halloween, mais franchement, je trouve qu'elles sont magnifiques. Enfin, regardez, elle est trop belle. Avec la petite maison qui s'ouvre, la petite porte, le petit chat. Les petites chauves-souris, là c'est superbe. Enfin, avec le tampon de lune, là il est magnifique. Moi je la trouve superbe ta carte. Franchement, elle est trop trop belle. Ben, je te l'ai dit, hein. Enfin, de toute façon, sur Insta, j'ai craqué direct quand je les ai vues. Elles sont trop trop belles. Emily Scrap. Je vous mettrai hein, en barre. Alors, mon petit mot. Merci beaucoup. Alors, attendez, parce que du coup, ça, je sais pas. Oh, bah, toi aussi, tu m'as envoyé des petits embellissements. Donc, bon, il y avait ceux-là, en bois, et donc dans les pattes. Je sais pas comment ça s'appelle, ces pattes, parce que moi, je fais pas ça, j'ai pas des moules et tout ça. Donc, je sais pas de quelle matière c'est, mais il est trop mignon. Oh, trop mignon. Donc, du coup, je sais pas derrière où ils étaient. Mais je vais déjà regarder le devant, elle est trop belle. J'en avais pas en plus de pocket letter Halloween. J'en avais jamais reçu, c'est la première que je reçois. Merci beaucoup. Donc là, on a. Ah, elles sont trop belles ces chauves-souris. C'est des stickers, mais regardez-moi ça comme ils sont trop beaux. Avec marqué Halloween dans la lune. Celui-là aussi, il est magnifique. Un petit sticker donc du château hanté. Magnifique. Les petits fantômes, bien évidemment, donc qui sont un peu pouf pouf, c'est de la mousse. Là, on a du coup l'arbre. Celui-là, je l'ai, c'est de chez Joy, je crois. J'ai cette découpe, je crois que c'est Joy, si je me trompe pas. Je confonds toujours Joy et Marianne parce que ça se ressemble un peu les packagings, mais ouais. Les petites citrouilles. Celle-ci, elle est trop mignonne. Ah bah, je l'ai aussi, je crois, ce tampon. Je crois. J'ai tellement de choses sur Halloween, je ne sais plus ce que j'ai. Mais elle est trop mimi. Je l'ai pas encore utilisée, mais elle est trop mimi avec son petit chat. Bon, moi je suis brune, hein, donc ce n'est pas moi du coup. Là, on a le petit chat trop mignon avec le petit livre, la petite lanterne, l'arbre avec les petites chauves-souris. Trop mimi. Le fond aussi, il est superbe. En dégradé de orange un peu saumon et qui remonte dans les violets. Trop trop beau. Et en bas, donc nous avons la petite chouette avec son balai, la petite sorcière donc qui prépare sa potion et la petite citrouille avec des bonbons, la petite chouette. Ils sont super ces stickers, vraiment j'aime beaucoup, ils sont trop mignons. Petite chauve-souris et tout là, enfin c'est top.
Elle est trop trop belle. Magnifique. Merci beaucoup. Ah là là, tout ce que tu m'as mis. Ah bah alors du coup les bonbons devaient être dedans. Parce que là je vois que t'as mis un bonbon. Ça devait être quelque part. Alors, waouh. Oh, ils sont trop belles. Ah, tu dois avoir des moules trop trop beaux. Regardez-moi ça. C'est une petite, un petit bustier en fait avec une robe. Ça fait un peu danseuse. Ou fait clochette, je ne sais pas. Trop trop belle. Merci beaucoup. Mais tout ça, je vais pas vouloir les utiliser, je veux les garder pour moi. Là, des petits bonbons. On va les mettre dans ma boîte à bonbons. Là, alors celui-ci, si ma soeur le voit, elle va vouloir me le piquer. Parce qu'elle adore les licornes et elle est magnifique. Elle est trop trop belle. Oh! Ah ouais, si ma soeur elle la voit, ça là c'est fini. Hein. Elle va vouloir trop que je lui fasse une création avec. Donc oui, alors ma soeur me commande plein de choses. Elle ne fait pas de scrap, mais elle me commande plein de choses. Genre là pour Noël, elle m'a demandé un calendrier licorne, justement. Donc c'est pas plus mal, j'ai déjà fini son calendrier, donc j'aurais pas besoin d'utiliser la licorne. Mais elle est trop trop jolie, merci. Ensuite, on a plein de petites découpes. Ah oui, t'as mis dans une petite citrouille. Moi, je vais pas les ouvrir du coup, parce que là, elles ont l'air évidées. Et du coup, sinon, je vais tout renverser. Mais du coup, il y a des petites découpes citrouille, noire et orange. Voilà. Et elles sont évidées. Du coup, là, elle m'a laissé tous les. Comme ça, je peux recoller. Merci beaucoup. Là, on a du coup bah, les découpes du petit chat. Ouais, bah c'est ces tampons que j'ai. Mais c'est bien, au moins, comme ça, j'ai pas besoin de le faire. Donc, les petites citrouilles, le petit chapeau de sorcière, les petits chatons, ils sont trop mignons. Les petites chauves-souris, les petites potions magiques, elles sont trop, trop, trop mignonnes. Trop mignonnes. Donc, la petite sorcière. Elle est mignonne. Bah après ça c'est Halloween qui fait pas peur. Hein. Du coup. Encore le petit chapeau. Et donc là on a les petites chauves-souris. Encore une potion magique. Un petit chat. Et la petite lanterne. Bah merci beaucoup. Comme ça m'évitera de les faire. J'en aurai d'avance. C'est parfait. Merci. Du coup, derrière, elle m'a mis tout son tampon Emily Scrap Création Maison. Il est joli, hein. J'aime bien l'écriture. C'est très très joli. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors. Là, on a. Ah, des fantômes. Ah ouh, je les ai pas, ceux-là. Des petits fantômes. Attendez. En grand et en petit. Ils sont trop mignons. Je les ai pas ceux-là. Ceux-là, on dirait qu'ils. Enfin, bah, c'est des fantômes qui font pas peur. Ils sourient. Merci. Ils sont trop mimi. Regardez. Plein de petits fantômes de différentes tailles. Et là, on a des boues. Ah, ils sont beaux. Trop beaux. Des bouts avec toile d'araignée. Ils sont super jolis. Je les ai pas ceux-là non plus. Trop trop beau. Merci. Bon, je vais les remettre après parce que je galère un peu. Ah oui, alors la chouette, je pense qu'elle devait aller là. Là, on a les petits chats. Ils sont. Alors eux, ils sont trop cute à mort. Ils sont trop mignons. Merci. Trop mimi. Là, les petits écureuils, ceux-là, je crois que je les ai aussi. Mais j'en ai plus. Donc, c'est parfait. Et là, nous avons. Parce que je ne veux pas abîmer la pochette. J'ai toujours peur que ça se craque. Oh, ça, c'est génial. C'est mes premières, j'en ai pas du tout.
Des capsules altérées, j'en ai pas. Alors franchement, je suis trop contente. C'est mes premières aussi. C'est trop joli. Donc on a un peu surtout le. Enfin, alors il y a des petits oiseaux, il y a ballon, un petit coquillage, une fleur. Et ça, je pense que c'est des fleurs aussi. Regardez. Elles sont trop belles. Merci beaucoup parce que je sais que je pense que ça prend du temps aussi à faire. Et comme j'en ai pas, franchement, bah, je suis trop contente. Mais pareil, je pense que je vais pas vouloir les utiliser. Ou du moins pour des créas pour moi. Merci beaucoup, Émilie. Bah écoute, ça m'a fait trop plaisir. Franchement, j'ai été très surprise quand tu m'as dit que tu allais m'envoyer des petits cadeaux. Franchement, ça m'a fait trop trop plaisir. Et bah, elle est trop belle ta Pocket Letter. En plus, je suis, comme je t'ai dit, hein, je suis trop contente parce que c'est ma première. J'en avais pas du tout. Donc, alors ça, je vais le mettre là. Et ça allait là. Voilà, je vous remonte le devant, elle est trop jolie. Je ne me lasse pas. Franchement, des créations Halloween, je sais pas pourquoi, vraiment, c'est un thème qui me. Voilà, je trouve qu'on peut faire plein de choses super sympas, c'est rigolo. Enfin, c'est. Voilà, c'est. J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Un grand merci, Émilie. Et je mangerai mes petits bonbons en pensant à toi. Et ta superbe carte. Elle est vraiment belle. Trop, trop belle. Merci beaucoup. En tout cas, je te ferai une petite réponse. Pareil sur Halloween. Et en dernier, nous avons donc Karine, ma copinette. Bah, ça fait un petit moment hein, déjà qu'on se connaît sur Instagram et on s'est vu en vrai bien évidemment parce qu'on n'habite pas très très loin l'une de l'autre. Et voilà, donc là elle m'a fait un petit envoi, je pense, pour Halloween, parce qu'on s'était dit qu'on allait se faire un petit échange pour Halloween. Donc je pense que ça doit être sur ce thème également. Voilà. Et donc vous pourrez la retrouver aussi sur Instagram. Elle a deux comptes. Elle a le compte Fairy Pink et un compte sur Disney, parce qu'elle est fan aussi de Disney. Et elle va énormément sur le parc, vu qu'elle habite pas loin. Et sur son autre compte, c'est Karine Disney Addict. Et je vous mettrai en barre d'infos parce qu'elle a également une chaîne YouTube. Voilà. Donc où elle fait un peu de tout, produits de beauté, Disney. Maintenant, elle commence à faire du Disney. Des vlogs et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle présente sur sa chaîne. Voilà. Alors, on va ouvrir. Hop. Heureusement que je fais la vidéo direct parce que franchement, j'aime pas attendre. Ouh là là! Ah oui, c'est Halloween! Happy Halloween! Avec la petite sorcière. Son chaudron, il est beau ce chaudron, je l'ai pas. Il est trop trop beau. Il est de la bonne taille surtout en plus. Regardez, une petite. Là, elle a fait un pochoir arbre. Il est super beau. Avec les petites chauves-souris. Oula! Attendez, hein. Je vous laisse avec la pocket, hein. Alors oui, donc elle me demande si on se refait un swap Noël, parce qu'en fait nos anniversaires sont pas très très loin l'une de l'autre. Moi c'est du 27 novembre et elle c'est début décembre. Du coup voilà, on a fait ça l'année dernière, on s'est fait un swap anniversaire et Noël, hein, puisque du coup voilà, c'est un peu aussi c'est la période. Et du coup elle me demande si on peut en refaire. Enfin, si elle veut que j'en refasse un avec elle, bah bien évidemment, écoute, ça me ferait un grand plaisir. Enfin, on se redira ça de toute façon. De toute façon, je vais te faire une réponse à notre échange, puisque je ne l'ai pas encore envoyé. Là, j'ai pris pas mal de retard. Je suis un peu crevée de mon boulot. Donc voilà. Mais il faut que je m'organise. Mais il n'y a pas de souci. Enfin, de toute façon, je vais te répondre avec grand plaisir. Alors. Ouh. Donc elle est fan de Disney aussi. Donc elle m'a fait une petite sucette avec Maléfique. Donc la sorcière qu'il y a dans la Belle au bois dormant, elle est trop mignonne. Merci. Il est beau ce sticker. Je sais pas si vous le voyez bien. Trop mignon. Alors elle m'a fait une petite Lodide. Elle est trop belle aussi ça, la petite.
La petite pince. Avec plein de... Alors, Happy Halloween. Avec la petite tombe. Du washi. Les petites étoiles. Elle est trop mignonne, celle-là. La petite chouette aussi, elle est super jolie. Là, des petits nuages. Trop mignon. Ouh. Oh, ils sont mignons, tes petits sachets. Ils sont trop mimi. Alors. Donc, c'est des découpes en mousse. Ah, c'est stickers en plus. Cool. Un petit chat. Trop mimi, merci. En plus, finalement, j'ai pas tant de choses de. Enfin, j'adore les chats, mais j'ai pas tant de choses sur Halloween et les chats. Ah, il est beau celui-là aussi. Le chapeau de sorcière là, en orange. Et des petites citrouilles. Ça, c'est top aussi. Merci. Trop mignon. Et puis, les petits sachets sont trop mignons. Regardez. Alors, on remet dedans. Ensuite, elle m'a mis des petites découpes. Oui, parce qu'elle était venue faire du scrap chez moi. Et c'est génial. Franchement, c'est super sympa du coup de pouvoir scraper avec les copinettes, quoi. Donc, et là, elle me disait dans sa lettre qu'effectivement, ça faisait presque un an qu'on ne s'est pas vu. Mais oui, et puis du coup, avec le confinement et tout ça, enfin, c'est compliqué, quoi. Elle m'a mis la petite sorcière, la petite maison champignon. Ah bah je les ai pas en plus ceux-là, les dailles de chez Action, ouais, les petites maisons, je les ai pas trouvées. Alors merci beaucoup. Et un Winnie. Trop mignon. Winnie l'ourson en version Noël. Il est trop mignon. Merci. Je remets. Ah, j'aime beaucoup tes petites pochettes. Ah, elle m'a fait une ATC. Bon alors, moi j'aime pas du tout Freddy. J'ai super peur depuis petite de Freddy. Mais là ça va, vu que c'est en version Monsieur Jack. On va dire que il fait pas trop peur, ça va. Et le petit chat là, il est trop cute, on dirait ma Dixie. Avec donc la petite, le petit nuage, il est trop mignon celui-là aussi. Et donc là, elle a fait un fond patouille avec des petites étoiles. Thème Halloween, 3 octobre 2020. Trop mignon, merci. Mais c'est vrai que Dixie a des griffes de Freddy. J'arrive pas du tout à lui couper. Et là, faudrait faire quelque chose quand même. Hein. Donc là, est-ce que j'ai tout? Là, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis là-dedans? Ouh là 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 là. Je sens que c'est un peu. Oh! Des lamas! Ah bah, ça tombe bien parce que du coup, avec Damien, on a un échange junk sur les lamas, sur le thème lama. Donc. Ouh, ils sont trop mignons! Oh, des petits stickers, regardez. Oh là là, ils sont trop mignons, je les ai. Oh là là, ils sont trop mimi, regardez. Oh, j'adore. Ah bah ça tombe très bien du coup, tu vois. Oh, regardez. Ah là aussi, des petits paresseux, là, j'aime beaucoup. Ils sont trop cute. En violet, ils sont trop beaux aussi. Oh. Waouh. Ah ouais, bah j'aime beaucoup. Oh, oula! Oh non, ils sont trop mignons, ils sont puffy. Regardez. Ils sont trop mignons. Ah, j'adore. Trop mignon. Ah, trop mimi. Bah ça va super bien me servir. Là, on a des petits embellissements en 3D. Trop sympa aussi. Alors, Happy Mother Day. Family is a gif, le petit appareil photo, I love you, beautiful day, holidays, happy birthday, fun, les petits gâteaux, la petite théière et la petite colombe. Merci, trop mimi. Et là, donc, elle m'a mis des fleurs. Ça tombe bien parce que j'ai pas trop trop de fleurs, donc c'est pas ce que j'achète en fait en premier, donc ça tombe bien. Merci beaucoup. Bah écoute, oui, en tout cas, ta Lodide m'a beaucoup plu. Elle est très très sympathique. Regardez. Et les stickers, ils sont hyper agréables au toucher en fait. Je peux pas vous détailler, mais ils sont tout lisses, ils sont tout doux. Enfin, ils sont trop mignons. Oh, bah écoute, tu m'as bien gâtée, ma chérie. Merci, merci beaucoup.
Et t'inquiète pas, je suis aussi sur ton envoi, mais là, comme j'ai effectivement pas mal d'envois sur Halloween, bah, j'en profite hein, parce que je vous dis, hein, c'est une période. Enfin, moi, j'aime beaucoup ça. Et puis, quand on fait des créations Halloween, c'est vrai que ça va pas forcément nous servir le reste de l'année pour une carte à anniversaire ou quoi que ce soit. Donc là, je suis hyper contente parce que du coup, je vais pouvoir faire plein d'échanges avec vous. Et ça me fait super plaisir en fait, parce que c'est vraiment un thème que j'aime et j'y prends vraiment plaisir du coup à créer. Non mais n'empêche, elle est mignonne, hein. Même si je l'aime pas, Freddy, elle est vraiment mimi. Je pense que c'est le chat qui fait toute la différence. Bah écoutez, en tout cas, Damien, Émilie, Karine et Karine, parce qu'il y a deux Karine du coup, avec un K et avec un C. Merci beaucoup beaucoup pour tous ces petits enfin ces gros envois hein, j'ai envie de dire et voilà et en tout cas voilà j'espère que je serai dans les temps pour enfin voilà j'espère que je vais me dépêcher pour pouvoir vous envoyer tout ce que je dois vous envoyer. En tout cas je vous fais un gros bisou, j'espère que ça vous a plu et voilà je mets en barre d'infos les liens de tout le monde comme ça si vous voulez aller voir Et n'oubliez pas, il y a le concours de Damien aussi. Donc voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous mes petits loulous!